bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Silent Hill évidemment. Un petit truc à boire et à manger, plongez-vous dans le noir et si possible 4K 60fps. Et on est parti, ça va swinguer. On est dans la résidence Blue Creek cette fois-ci. Nous sommes dans l'autre monde et autant vous dire que l'autre monde n'est pas le monde que vous pensez que je sois, qu'il sait, que nous sommes, qu'il est. D'accord? Oh! Salope. Oh là 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 là. On commence comme ça là. Ok. On est dans la chambre 203, ça devrait aller. Il doit y avoir un petit truc au pire à récup. Oh putain, non, j'ai rien dit parce que la chambre 203 mène à une autre chambre encore. Il y avait quoi de l'autre côté déjà? Over the top. C'est pour sortir et aller là-haut. Bon. H. Il y avait M, H. Ok. Oh, merde alors. On est là, hein. Un berceau, superbe. Quoi? Oh putain, il a des bottes. C'est trop. Sympa l'ambiance dans tes box surprise. Ok. Que dalle. Ici, hein, on va tout faire ici. On va tout faire. Balle de pistolet H4. C'est pas la même cour, hein. C'est pas les mêmes plaisirs. Hein. Direction deuxième étage. Putain, les gars, n'empêche, le jeu était tellement intelligent. Oh waouh. Bon bah direction troisième étage. Mais oui, c'est clair. Ok. Oh waouh. Tu sens l'ambiance de dingue omniprésente quand même, parce que putain de merde. Ils vont se relever, hein, je vous le dis, hein. Vous savez, aussi bien que moi. Oh. Ok. Tout ce qu'il y a, mon frère, il y a trop de cadavres. Mais j'en assume pas du tout là. C'est quoi cette ambiance terrifiante? Entrez là, hein. J'aime bien les petites pièces moi dans Silent Hill. Hein. Oh merde alors. Ça mène ici. Les amis, si je parle pas, c'est que j'ai la pâteuse. Oh là là, si on peut bouger ça, c'est pour tourner. Et si on peut tourner, c'est qu'on va être harcelé, les amis.
Ouais, non, non, on va être harcelé. Hein. Ok. Ah, là, ils explosent, ça veut dire qu'en gros, ils nous disent qu'ils sont morts. Non, mais tout ça, ça va se relever. Hein. Oh là là. La galère, la galère. Bonsoir. Ok. Oh, il y a des balles partout, on est foutu. Il y a une aiguille. C'est le thème principal qui est joué. Oh waouh, il y a une chaîne. C'est dingue, j'ai l'impression de servir à rien. Il y a trop d'endroits. Il y a trop d'horrifiques dans cette aventure horrifique. Attends, il y avait quoi d'autre? On n'a pas fini de fouiller l'étage, hein. Non, mais il y a des chemins, c'est terrible. Parce que j'ai récupéré ça, hein. On en est là. Hein. Ok, je crois qu'on a tout fait. Je vais me poser deux petites secondes. On n'a pas été à gauche. Hein. On n'a pas été à gauche en sortant de la 305. Hein. Oh les bâtards, ils ont fermé derrière. Oh les bâtards, ils ont fermé derrière. Ça, c'était des bâtards. Et le bâtardos. On est où là, frère? Pas vu ça, si? Bizarre l'ambiance. Bon bah au moins on y sera allé là, à cet endroit. C'est terrible.
combien que j'ai eu déjà? 306. C'est l'écrit 306. 306, c'est en haut à gauche. Ah! Elle m'a fait du... Elle maîtrise le kung-fu. Allez, un petit remontant et ça repart. Des choses, hein. Heureusement qu'ils sont pas très radins sur les balles de pistolet. Parce que sinon c'était compliqué. Ok. Allez. Qu'est-ce que ça va m'ouvrir en fait? Faut pas faire des trucs effrayants comme ça, frérot, non? Valve. Ok. Je me sens serein parce que j'ai 60 balles, mais je sens que ça part vite cette connerie. Hein. Oh non, non, c'est beaucoup trop là par contre. Ça va partir beaucoup trop vite, je vous le dis. On va se la jouer call off. Hein. Je sais plus où je suis, attendez. Je suis perdu de tout ça là. Envie de save hein, au bout d'un moment les gars hein. J'en peux plus moi de vos conneries. Attends. Un petit remontant et ça repart. J'avais pas vu ça, vous voyez, il y a des trucs qu'on voit pas. Ok. Allez. Ça devrait tout dégager. Okay.
Allez, ça c'est fait. Petite guitare sèche. Et là, c'est quoi? C'est un raccourci? Raccourci. Oh, l'ambiance est dingue. Ok, c'est un raccourci. Ah, en fait, c'est qui? Je me suis chié dessus, sa mère la pute. Allez. Oh, on va save. Oh, waouh. C'est vraiment pas facile. Je vous promets que les gars, niveau ambiance, j'ai les volets fermés et tout. C'est vraiment, vraiment pas facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a gauche et droite. C'est bizarre, Scott. Alors, Henry a peur de Scott. Il l'esquive et cherche à se cacher, ayant fui à l'ouest de l'autre côté. Ok. Il y aura donc trois aiguilles, c'est ça? Il a fui à l'ouest, donc à gauche. Je sais pas. Ok. On verra ce que ça a créé, toute cette ambiance. Là, j'avoue, je l'ai pas bien saisi. Peut-être que ça a ouvert une porte. Oh putain, H comme heure, M comme minute. Non? Ben oui. Ben oui, H comme heure, M comme minute. Mais oui, c'est clair. Enfin, plus H comme hour, M comme minutes. Ça, ça n'existait pas hein, dans le Silent Hill d'origine. Putain, l'ambiance, on est trop bien ici. Malgré qu'on soit dans l'autre monde. Ah, il y a un oiseau à mettre là. Merde alors. Ok. Elle est trop pipou l'ambiance. Ça fait plaisir. Ok. Que dalle. Quoi? Ah. Effectivement, j'avais déjà oublié cette petite astuce. Bonsoir. Ah, l'ambiance est moins pipou. Bon, je pense que quand faut y aller, hein. Encore? C'est dégueulasse. Ah! Changement d'ambiance? Les changements d'ambiance brutasse comme ça, c'est très sympa. C'est très sympa. Ah, tout ceci est fort embêtant. Tout ceci est fort déconvenu. J'allais dire, ah, ça paraît simple. On a déjà l'aiguille des minutes, waouh. Eh ben non. Vous faites de ma vie un enfer.
Je t'ai vu, petit coquelicot. Enfin, les gars, j'avais 60 balles. Ça a bien baissé. Hein. J'avais quasi 60 balles de côté. Je m'en retrouve avec 50. Je t'ai vu, toi. Hein. Je vous ai pas vu là, hein? Hein? Ah, c'est ça. Ok. Tête de cygne en bois. Bah, va falloir le reste, les gars. Hein. Bon, vous êtes comment à regarder cette aventure, vous? Vous êtes plutôt bien là? Vous êtes à la fraîche? Ça vous fait plaisir? Parce que là, je suis dans mon univers. Non, c'est faux. Je suis pas serein du tout. Quoi? Ça, c'est illégal. Hein. Ça, faut pas faire ça. Hein. Je jure que c'est illégal pour mon cœur. Ce qui est malsain, ils l'ont réuni ici. Il y a un truc, il est rentré chez lui, ce fils de pute. Combiné. J'aurais pu l'éviter celui-là. Oh, j'ai la pâteuse, c'est terrifiant. Ok. Voilà, rassuré. Oh waouh. J'ai pas le choix. Hein. Oh non, on est en 110. Quelle est cette fumisterie? Je peux remonter? Ok, un souvenir débloqué, enfin ou je sais pas quoi. En fait, ça fond vite les balles. Je vous jure que ça fond vite. Va falloir que je fasse moins le tug. Oh ouais, mais frérot, oh. Il me lâche. T'as 10 000 issues, quoi. Soyez sympas, les mecs.
Oh waouh, je suis rentré comme si c'était chez moi. Ok. Ok. Oh, it's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure, no problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't!
écoutez, j'ai envie de vous dire, tout se passe plutôt bien. Un petit peu de sang au bout, mais enfin. La clé de quoi, ça? Ok. Bon, bah écoutez, tout s'est passé pour le mieux. Le plaisir de revoir Angela. On s'était vu à l'épisode 1, je me dis que... Ouh, c'est sport. Pas trop c'est quoi. Et vous avez vu le dégradé là? Et là on repart dans l'autre monde, c'est très bizarre. En fait quand on la croise on n'est pas vraiment dans l'autre monde. J'adore les halls. Ou pas. S pour seconde. Faudra aller là, les petits pères. Hein. La carte des secondes. Je suis content parce que j'ai très vite compris ce HM. Au début, je me suis dit, ah, c'est HM. Boutique de frein. J'adore l'humour, mais j'aime pas cette ambiance. Vers la flamme, Alexandre Scriabine. Donc c'était ça, hein. Dans l'épisode précédent, la note qui disait « Je m'enfonce vers les couches, je gratte, je gratte, je gratte. » C'est une manière de se dire que la personne continue de s'enfoncer dans Silent Hill pour essayer de comprendre comment en sortir. Ensemble à tout jamais. 208. C'est un 16. Ah, 6 ou 16. Soit ça joue un toucher coulé, soit... Ok. Je vais juste retourner à l'horloge, hein, les petits potes. Hein. Allez les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre formidable aventure sur Silent Hill 2. Bisous tout le monde. Bye bye.